Marc, chapitre 9, versets 23 à 29. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Sors de cet enfant, et n'y rentre plus. » 26. Et, il sortit, en poussant des cris, et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» 29. Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Luc, chapitre 8, versets 50 à 55. Mais, Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. 52. Tout pleurait et se lamentait sur elle. Alors, Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » 53. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. 54. Mais il la saisit par la main, et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » 55. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Psaume, chapitre 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et, ils pansent leurs blessures. Marc, chapitre 10, verset 52. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. Jacques, chapitre 5, versets 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. 17. Il y était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 18. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Proverbes, chapitre 17, verset 22.
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Malachie, chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Un Pierre, chapitre 2, versets 24 à 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais, maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, et le gardien de vos âmes. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. À 6. Mais, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Deux Rois, chapitre 20, verset 5. Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai, le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat, 11, et, voici, il y avait là, une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. 13. Et, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa, et glorifia Dieu.
14. Mais, le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc, vous faire guérir ces jours-là. Et non pas, le jour du sabbat. » 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Luc, chapitre 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Matthieu, chapitre 9, verset 12. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Exode, chapitre 15, verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies, dont j'ai frappé les Égyptiens, car, je suis l'Éternel qui te guérit. »